L'accès au plaisir est avant tout un état d'esprit plutôt qu'un sentiment lié à votre compte en banque. Parlons-en. Je vous souhaite la bienvenue dans la capsule sans filtre, qui est une capsule dans laquelle je vous partage en toute transparence mon expérience de vie, mes prises de conscience et aussi les outils que j'utilise. J'aimerais vous parler de cette vidéo qui me paraît très 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 importante. En tout cas, ça participe à l'une des prises de conscience que j'ai eues récemment. Parce que j'ai observé autour de moi des amis qui ont des situations financières plutôt moyennes. Et puis je me dis, mais c'est assez fou, qu'on a vraiment deux modes de vie très différents. Voilà, parce que je vois et j'observe que justement ces amis-là, malgré leur situation financière, profitent de la vie. Ils partent en vacances. Ils ont toujours une opportunité et trouvent toujours le moyen de partir. La notion de plaisir est prioritaire. Donc du coup, ils vivent des choses. Et puis je vois que ça ne se passe pas vraiment comme ça avec moi, même si je vois que ma vie a beaucoup changé déjà jusque-là. Mais je vois que l'accès au plaisir n'est pas quelque chose qui est encore totalement établi chez moi. Et je vois que moi, quand je suis dans une situation financière moyenne, parce que j'ai eu pas mal d'imprévus au mois de juillet, eh ben moi, je n'ai pas la tête à partir en vacances, vous voyez. J'ai plus la tête à dire, il faut que je m'en sorte. Voilà, j'ai des priorités. Et je vois qu'on a vraiment deux modes de vie différents. Et je me suis dit que c'est assez dingue, parce que c'est sûr que j'ai un formatage au préalable, parce que je suis asiatique, et en tant qu'asiatique, on a bien la réputation d'être travailleur. Et c'est vrai! C'est vrai, j'ai grandi très jeune, j'ai aidé mes parents au restaurant. À 8 ans, j'avais déjà un couteau dans la main et je travaillais, vous voyez. À 12-13 ans, je dirigeais déjà le restaurant avec 12 à 13 personnes. Travailler, je sais ce que c'est. Et j'ai ça dans le sang. Et en même temps, j'ai grandi dans une famille où financièrement, on n'était pas, d'une famille moyenne, donc c'était difficile, il a fallu qu'on se serre les coudes. Donc je suis formatée, je sens qu'il y a un conditionnement quant au fait de travailler, de s'investir pour le travail, assumer les responsabilités. Donc je sens qu'il y a un formatage qui fait en moi, qui fait que dans ma vibration intérieure, eh ben, on n'a pas le même été, on n'a pas les mêmes vacances. Et jusque-là, pour moi, c'était normal. Sauf que là, cette année, je me questionne grandement. Parce que j'ai commencé justement à encoder dans ma vibration intérieure la notion du plaisir. Et effectivement, quand on commence à faire ce genre d'encodage, excusez-moi, il y a l'odeur de la merde qui remonte. Ce qui veut dire que là, on voit très bien, et j'observe très bien, la vie que je suis en train de me créer ou que je me suis créée auparavant, où je me suis dit, mais c'est assez fou. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là arrivent à vivre des instants de vacances, de plaisir, ils trouvent des opportunités, ils partent en vacances, ils vivent des choses assez chouettes. Et pourquoi moi, je suis là bloquée, figée dans ma situation, dans laquelle je ne m'autorise pas à accéder au plaisir. Et c'est ça que j'aimerais vous partager à travers cette capsule sans filtre, mes amis, parce que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que avant toute chose, l'accès au plaisir est un état d'esprit. Mais pour que l'accès au plaisir soit un état d'esprit, ça m'a demandé de changer mon objectif de vie. Parce que je me suis posé cette question, en fait, pourquoi est-ce que malgré tout, malgré la situation qu'ils vivent, malgré leur compte en banque, ils ont quand même des instants de plaisir. Ils s'octroient quand même des vacances. Il y a quand même quelque chose qui se vit pour eux. Et moi, il n'y a rien qui se vit. C'est tout simplement parce que eux, il est encodé en eux naturellement que le plaisir est une priorité dans leur vie. Donc naturellement, ils vont tendre vers ça. Quel que soit leur compte en banque, quelle que soit la situation dans laquelle ils vivent, naturellement, leur programmation est faite qu'ils vont aller chercher le plaisir et ils vont aller vivre le plaisir en priorité. Moi, ça m'inspire, ça, vous voyez. Et donc, dans cette observation et dans cette modélisation, dans ce gros questionnement, parce que je me suis beaucoup questionnée sur moi, je me suis dit, en fait, tant que mon objectif de vie, et de dire, oui, je vais mettre tout en œuvre
pour pallier à mes besoins pour ma fille et moi, je suis en train inconsciemment de créer une vie de lutte en fait. Je crée du coup des événements qui m'occupent. Inconsciemment, je vais créer des imprévus qui vont nourrir cet objectif de vie qui est de « je suis là pour pallier à nos besoins, je suis là pour nous mettre en sécurité, je suis là pour être responsable de nos vies ». Donc du coup, tous les événements que je vis là ne me permettent pas de vivre le plaisir, mais me permettent de s'occuper de ma vie et de celle de ma fille. Vous vous rendez compte de la création Et je me suis dit, bon ben là, avec tous les imprévus que j'ai eus au mois de juillet, je me suis dit, bon ben là, en fait, j'ai besoin absolument, pour ne plus vivre ces situations de merde, de changer ma programmation au niveau de ma vibration intérieure. Et surtout, pour ça, avant toute chose, c'est de changer mon objectif de vie. Il faut que je trace mon GPS différemment. Parce que tant que mon GPS il est encore là pour dire oui, je vais pallier aux besoins de ma fille et moi, ben bien sûr, je suis faite pour engrammer de l'argent, pour pallier aux besoins. Mais je ne vais pas engrammer de l'argent pour pouvoir vivre le plaisir. Est-ce que vous voyez la différence? Et ça, je me suis pris une claque dans la tronche, c'est clair, mais je suis quand même assez ravie parce que cette prise de conscience va changer vraiment quelque chose. Donc là, je me suis dit, ok, un, je vais changer mon objectif de vie. Et j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, ma priorité, ça soit l'accès au plaisir. Je veux que le plaisir soit dans toute chose pour moi. Je veux que ça soit ma priorité aujourd'hui. Je veux aujourd'hui que mon envie même d'attirer de l'argent à moi soit pour une seule chose. Être dans la jouissance de mon argent pour pouvoir vivre tous les plaisirs que j'ai envie de vivre. J'ai envie que le plaisir soit au cœur de mes réflexions. J'ai envie que le plaisir soit dans toute chose, tous les jours, en chaque instant. Je veux que le plaisir soit inconditionnellement partout. Ça veut dire que quel que soit mon compte en banque, j'ai envie de conditionner mon esprit pour que le plaisir soit partout. Donc ça commence par le fait de changer mon objectif de vie pour que je puisse vraiment oui, c'est ça. Reprogrammer vraiment, avoir une nouvelle programmation. Donc là, c'est sûr que je suis en train de processer pour reprogrammer mon subconscient et aussi ma vibration intérieure afin que la notion du plaisir soit vraiment au cœur de ma vie aujourd'hui pour que ça soit le point de départ de toute chose, la motivation pour moi dans ma vie, dans toute chose, mais que ça soit aussi la finalité de toute chose dans ma vie, vous voyez ? Et donc, du coup, c'est génial parce que dans la notion d'attirer de l'argent à soi, c'est vraiment de se dire j'ai envie d'attirer de l'argent à moi pour être dans la jouissance de cet argent et la jouissance de tous les plaisirs que j'ai envie de vivre. Donc, je pense que très clairement, les choses vont changer pour moi et ça me fait plaisir, vous voyez? Ça me fait plaisir. Et puis, il y a une chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est que très souvent, quand la notion du plaisir n'est pas là, et je vous le dis par expérience, c'est que même moi, je me suis dit, je me forçais, parce qu'on a dit, c'est bien d'avoir de la gratitude dans ce que vous vivez au quotidien, dans les choses simples de la vie. Mais il y a des choses simples qui me procurent pas de plaisir. Mais vu que je n'arrivais pas à faire autrement, je me suis dit, ok, je vais pratiquer la gratitude, justement, pour au moins apprécier ça. Mais non, mes amis, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Quand c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'aimer ce que vous n'aimez pas. Il y a des moments simples que l'on vit, mais qui ne sont pas suffisants pour soi. Et c'est correct de dire, ben ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça va impulser en vous le fait de vouloir plus grand, le fait de vouloir autre chose, le fait d'aller chercher et d'accéder au plaisir que vous voulez vraiment. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé, c'est que pour pouvoir être dans mon ancien paradigme de cette lutte du labeur, j'étais dans la gratitude. Je me forçais à avoir de la gratitude dans des choses pour me forcer à aimer, avoir du plaisir sur les choses simples. Alors que moi, je désirais autre chose vraiment. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez là où je veux dire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour ça. Donc, c'est juste pour vous dire, mes amis, c'est que le sentiment d'insatisfaction est aussi un sentiment positif parce que ça vous amène vers vos désirs et vers vos plaisirs. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est que ça vous oriente vers ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord? Mais il y a une chose qui est certaine.
Si aujourd'hui vous avez envie de sortir de la lutte, du travail, du labeur, de l'effort, et que vous avez envie de réintégrer la notion du plaisir dans votre vie, la première chose à faire, mes amis, c'est de prendre conscience que la notion du plaisir est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit. Parce que vous l'avez intégré dans votre objectif de vie, ça va s'imprégner totalement dans votre état d'esprit. Donc, c'est là, naturellement, c'est l'une des premières choses que vous allez rechercher dans toute chose. C'est l'une des premières choses que vous allez vivre dans toute chose. Et donc, ça devient libre de votre compte en banque, puisque c'est quelque chose qui devient vivant en vous, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Donc, vous n'auriez pas besoin de provoquer de la gratitude dans les instants que vous allez vivre, mais vous allez ressentir un plaisir jaillissant de vous, dans lequel vous allez être en gratitude après. Vous comprenez? Et ça, c'est super. Et donc là, je suis ravie, moi, d'être dans ce processus-là pour changer encore mon GPS. J'espère que ce partage va vous aider aussi et va vous permettre aussi de changer votre objectif de vie et votre GPS aussi, parce que voilà, c'est la vie, elle est faite de plaisir, elle est faite de jouissance de toute chose, de la jouissance de ce que vous avez déjà, de la jouissance de ce que vous rêvez de vivre. Et voilà, la jouissance de faire le métier que vous aimez, la jouissance d'être auprès des personnes que vous aimez. Et c'est sûr que ce sentiment de plaisir est aussi animé par la qualité de notre présence ici et maintenant, de savourer la chose. Mais cette qualité de présence, mes amis, n'est pas quelque chose qui est provoqué justement par la notion de gratitude. Elle est là parce que la notion du plaisir fait partie intrinsèquement de votre état d'esprit, fait partie d'une nouvelle programmation qui est en vous, qui fait que naturellement, c'est ça que vous allez palper dans toute chose. Voilà. J'espère que cette capsule va vous apporter autant de joie. Pour moi, en tout cas, cette révélation m'a apporté énormément de joie, aussi des pleurs, parce que je me suis en voulu, je me suis dit, oh là là, j'ai pris conscience de ça que maintenant, mais c'est ok, c'est correct. C'est important de se pardonner quand c'est comme ça. L'essentiel, c'est d'être en conscience aujourd'hui et l'essentiel, c'est d'avoir les moyens de transformer votre vie. Et j'espère justement que mes partages à travers ces capsules vous aident aussi à gagner du temps dans les prises de conscience afin que ici et maintenant, sans que vous ayez besoin de vivre des expériences difficiles, vous puissiez shifter sur ce que vous avez besoin de changer, que vous vous autorisez à vivre ce que vous désirez vraiment, à vous ouvrir au plaisir, mes amis, parce que vous le méritez. Vous le méritez. Vous méritez d'être dans le plaisir. Vous méritez d'avoir la vie que vous désirez vraiment. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et partager si la capsule vous parle. Je vous dis à bientôt.